Bout de la voie ferrée entre les ruines des deux chambres à gaz et crématoire. Dans sa partie centrale, là sont les sculptures symboliques. Et devant les sculptures symboliques, on a mis les plaques commémoratives. On a écrit les mêmes textes dans toutes les langues dont on parlait les déportés en Suisse. Chaque plaque commémore un groupe de déportés qui parlait une telle ou telle langue. C'est la plaque qui commémore tous les déportés qui parlent français. Le même texte aussi chez les autres peuples. Si, d'abord. Là. Et ils ont fait.